Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode sur Inscrit Valhalla, la suite de l'épisode précédent, tout de suite, let's go. Bon, on va rejoindre Amiens, c'est parti. Combien de kilomètres? Attends, j'entends un truc là. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Ok, j'avais cru entendre un truc, mais à mon avis ça devait être la lettre. Bon, let's go. Faut qu'on aille là. Allez. Mon Dieu, tous ces corps éparpillés comme ah des ouais, jouets. Chaud. C'est passé quoi ici? Ces hommes doivent être les gardes de la reine. Tavernier, qu'est-ce qui s'est passé ici? Cache-toi. Je ne suis pas sûr qu'il soit parti. Le monstre, tout ce sang. Cache-toi! Mieux vaut que j'aille voir ça par moi-même. L'autre côté doit être barricadé. Est-ce ainsi que la reine s'est enfuie? Ou que ses ennemis l'ont trouvée? D'autres hommes d'Eud. Morts en protégeant la reine. Un coquelicot. Oui, ce sont les hommes d'Eud. Peut-être lié aux études de Bernard. Un moine. Qu'est-ce qu'il fait ici? Le tavernier sait peut-être quelque chose sur ce rouleau et ses marques. Bon alors, let's go. On va voir. Ok. Alors, on va voir ce qu'il va nous dire le tavernier là. Il y a un moine mort en haut. Et un rouleau dans une langue que je ne comprends pas. Probablement des écritures en latin. Le jeune prince connaît le latin. Bernard? Oui, ils étaient ici. Ce moine était son précepteur. Il appartenait à l'église d'Amiens. J'ai entendu la reine conseiller à Bernard de se réfugier auprès des prêtres et nonnes en cas d'ennui. Alors je vais aller voir cette église en espérant y trouver la reine. Let's go. Oyez, oyez! Amiens va fêter la grande victoire du roi Charles sur le chef païen appelé Siegfried. J'ai vu ce garçon, je le sais. Le prince bâtard est ici, quelque part. Bernard est là. On m'attaquera à vue par ici. Comment je pourrais rentrer? Merde. Ok.
utiliser la bonne vieille méthode. Entendait faire à la reine. Peu me chaud qu'elle soit sorcière ou diablesse. Personne ne mérite de brûler vif. Allez, avance. Avance, t'inquiète. Tout va bien se passer. Hop là. Tout est ok, ok. Bernard. Non, je ne retournerai pas auprès de mon père. Quelque chose ne va pas chez lui. Silence, petit. Je ne te ramènerai pas à Charles. Pas cette fois. Mais l'autre jour... C'est différent maintenant. Comment t'es-tu enfui ? Je me suis faufilée par le mur en travaux près de la maison. Je l'ai escaladé. Ensuite, j'ai retrouvé Richardis à la taverne. J'ai fait tout ça tout seul. Où est Richardis ? Où est la reine ? Le monstre. Elle est partie avec lui. Tu parles de celui qui a massacré tant de gens à la taverne ? Il a dit que nous serions conduits à pair pour quelque chose. Une épreuve. J'ai... Quel genre d'épreuve ? Je... Il a parlé d'Ordali. Oui, c'est ce qu'il a dit. Par le feu. À la demeure de père, à Amiens. Il a l'intention de la faire brûler vive. Va, Bernard. Regagne ta maison de Lisieux. Je vais veiller sur Richardis. Je peux t'aider. Je sais des choses. Tu n'as pas besoin de faire mal à mon père. Il est juste... Il perd un peu l'esprit parfois. Tu dois prendre soin de toi, Bernard. Le sort de la Francie dépend de ta survie. Mais ce ne sera pas facile de te faufiler aussi loin le long de la Seine. C'est là la mission d'un héros. Voilà. J'y arrive. Exactement. Bien. Alors pars. Va-t'en. Et ne te retourne pas. Je vais m'occuper de Richardis. Adieu, Eivor. Adieu. Pauvre petit, j'aurais pas forcément le choix de tuer ton père, pour le coup. Vu tout ce qu'il fait, tout le mal qu'il fait. Ok. Bon. Alors, je dois aller où ? 140 mètres. Bon, ça va être facile. Let's go, je me taille. Encore une mission d'infiltration. Ce que j'ai mal aux pieds, pourvu que ces rénovations justifient. Oh, n'y compte pas. Ce mur est en travaux. Bernard a dit qu'il avait fui par là. Bon, on reste là. Sois mes yeux, Zinine. Ouest.
Ouais, je pense que c'est là-bas, là où il y a la clé. Quoique, attends. Alors la reine va-t-elle vraiment être jugée par son propre époux? Le roi, tu veux dire. Il paraît que ce sera une épreuve par le feu. Que vois-tu, Sinine? Let's go, on va monter par en haut, on va monter par là. On va monter là-bas, on est obligé, pas le choix. Voilà. Maintenant, on va le tuer lui. Hey, tu ne t'enfuiras pas. Fiche le camp. Bon, let's go. Je pense que c'est là. Nice. Perfecto. On est bon là, on est bon. On est bon, on est bon. Ah, il est là. Oh là là. Regardez-moi sa tête. La pauvre. Il semblerait que Dieu en personne entend témoigner dans ce procès. Puisse-t-il accorder miséricorde à l'innocent? Mais si tu t'es rendu coupable de mensonge, de complot ou d'adultère, puisse son courroux sacré châtier ton âme impie. Je n'ai rien à craindre du Seigneur. C'est toi, Charles, qui dois implorer son pardon.
Mais non. Nous serons bientôt qui, Dieu Tout-Puissant, béni de ses faveurs. Mon ange gardien s'en vient à moi. Ce n'est pas un ange. Devant Dieu et devant mon roi, il est temps que je renvoie ce diable. Mais non. De l'enfer d'où il est sorti. Il est encore en vie. Je suis en vie. Écarte-toi, évêque. Ton Dieu ne ressuscite les hommes qu'une seule fois. Pour Angelvin, pour petite mère, pour mon frère Eble, je vais purifier ce lieu de ta présence. Purée. Hors de ma route, évêque. Ou je te tue à nouveau. Le Seigneur m'a épargné. J'incarne sa colère. Toi qui as préservé mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Écartez-vous, on va y arriver. Pourquoi le feu se meut-il si lentement ? Je crois que tu vas souffrir, et que tu aimes ça. Je ne veux qu'une chose, t'envoyer en enfer. En cheminant dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Elle devrait brûler. Nous avons l'avantage. Ne nous laissons pas distraire. Nul n'échappe à son sort. Vilaini, n'a rien d'humain. Seigneur, Seigneur, mon Dieu. Et voilà, let's go. Oh purée. Ah, il voulait pas mourir. Oh là là. Pourquoi nous traques-tu? Les Bellator vont... Je dois retrouver Bernard. Bernard va bien. Je l'ai renvoyé à la maison de Lisieux. Purée. Une fois de plus, il se sert de toi. Tu rayonnes de grâce divine, Eivor.
Ne confonds pas grâce et éclat du combat. Pauvre évêque Gosselin, je prierai pour son âme. Il a servi Dieu comme il le jugeait bon. Charles et moi devons parler. Mais pour lui, ce sera peut-être la dernière fois. Non ! C'est un homme meurtri qui a subi des sévices, étant enfant, brûlé à de nombreuses reprises. Son existence n'est que crainte. La crainte du feu, la crainte de Dieu, de la trahison. C'est à pitié qu'il mérite. Le comte Eudes aimerait que je tue Charles afin de s'emparer du trône. Tu aurais tué alors quelqu'un parce qu'il a perdu le combat contre son âme ? Il y a un instant, il était prêt à te faire brûler vive. Que voudrais-tu que je fasse ? L'épargner. L'amener à se reprendre. Je peux l'emmener dans notre maison de l'Est, où il recevra l'aide de l'Église. Là, nous pourrons vivre dans le calme, et je continuerai à préparer Bernard à succéder à Charles. Je t'assure qu'il deviendra un roi dépourvu de prétentions sur l'Angleterre. Épargne Charles, c'est chaud là. Et les tiens vivront en paix. Ah, c'est chaud là. C'est tendu. C'est tendu. Bon, je pense que pour le fils, si on veut que le fils prenne le trône, parce que Eudes, franchement, c'est un ennemi de base, alors que Eudes, ça reste un enfant, il pourrait apprendre à devenir un bon roi. Donc, si on veut que le fils, je pense, monte au trône, je pense qu'il faut qu'on épargne Charles, malheureusement, mais... Allez. Entendu. Si je peux l'épargner, je le ferai. Mais je dois être sûr qu'il respectera le marché. Je sais que tu feras ce qui est juste. Le Seigneur œuvre à travers toi. Car il est clément. Père, bénis de ta sainte lumière ces hommes qui attendent humblement ton jugement. Waouh. C'est une véritable folie. Ok. Alors, donc du coup, il faut qu'on trouve Charles. Il massacre ses propres serviteurs. Quelle folie. Le monstre, c'est moi. Ok. Je sais que tu es là, mon roi. De grâce, va-t'en. Je vais te brûler. Je sais que tu as peur du feu. Tu fais erreur. Je ne suis pas le roi. Dieu. Les richesses de ce royaume dépassent tous mes rêves, même ceux du haut champignon, la chambre du roi et de la reine. Ok. Elle semble n'avoir jamais servi. Serait-ce l'alliance de Charles ? Pourquoi ne la porte-t-il pas ? Et maintenant, nous écrasons les plus petits. C'est de la folie. Tes serviteurs. Tu te fatigues ? Avec moi. Hey. Ok. Okay. Un livre saint chrétien, sans clé à l'intérieur. C'est étrange. Une autre clé, peut-être pour la porte de la grande salle. Je devrais essayer ces clés sur la porte. Que cela marche.
Je devrais essayer ces clés. Elle est l'ange. La sainte. Celle qui scintille de la lumière de Dieu. Et ils avaient raison à mon sujet. Tous avaient raison. Je sais. Nous sommes tels qu'ils le disent. Nous avons toujours été là. Lorsqu'on me brûlait, je faisais mine d'être débarrassé des démons. Mais je savais. Je savais qu'aucune brûlure ne pouvait me défaire de toi. Et pourtant, on m'a brûlé. Mais sous les balafres, tu étais toujours présent. Toujours présent. Toujours, toujours présent. Je t'accueille, démon. Dis-le plus fort. Nous sommes le démon. Nous sommes... Je ne suis pas le seul démon à rôder dans ces salles. De venir ici. Surtout pas un païen du Nord. Let's go. Mortel, merde. Meurs. Ok. Il semble résister à mes attaques. N'approche pas de là! Sinon quoi, Charles? Voilà ma chance. C'est ici que tout prend fin, Charles! Éloigne-toi d'elle! Je pourrais le coincer ici pour gagner sa vie. Si je l'étourdis assez longtemps, je pourrais l'enfermer. De bonnes raisons d'avoir peur du feu. À moi, je brûle ! Il faut que je le rapproche du feu. Quand tu m'as remis Bernard, je t'ai cru différent des autres païens. Celle-là étourdit, mais il est trop loin des feux. Je suis trop leste pour tes tours. Je dois encore l'affaiblir. T'enfermer ou te tuer ? Voilà qui demande réflexion ! T'enfermer ou te tuer ? Voilà qui demande réflexion ! Ça brûle ! Pas le feu ! Non ! Tu as tué l'évêque Gosselin, diable ! Je l'avais déjà tué. Peut-être reviendra-t-il des morts, qui sait ? Il a de bonnes raisons d'avoir peur du feu. T'enfermer ou te tuer ? Voilà qui demande réflexion ! C'est toi qui l'écrasé contre les pierres !
esquive. Esquive de la loutre. Nous allons te dévorer! Tu n'as pas le droit d'être là! Il n'y a personne pour m'en empêcher, Charles! Approche. Tu vas saigner! Il y a de bonnes raisons d'avoir peur du feu. J'ai peur que ça le tue. C'était pour le compte. Ah merde. C'est... Charles était une menace. C'est donc va. Non. Allez, let's go. Ça, c'était pour le comte Eudes, qui dirigera ce royaume après ta mort. Je vais lui écraser les noix dans un étang. C'est ici que tout prend fin, Charles. Éloigne-toi d'elle! Je pourrais le coincer ici pour épargner sa vie. Je pourrais l'enfermer dans cette pièce. Let's go.
Yes. Yes. Laisse-moi sortir, sale porc. Pas avant que tu aies juré que tes hommes et toi ne viendraient jamais en Angleterre. Tu m'as remis mon fils. Mais comment pourrais-je conclure un tel accord, alors qu'en cet instant, Siegfried prépare sa prochaine attaque? Siegfried est mort, et c'est moi qui l'ai tué. Alors, avons-nous un accord? Soit. Sur mon honneur et sur la vie de Bernard, tu l'as, ton traité. Ouais. Les armées n'envahiront pas l'Angleterre, tant que je serai en vie. Bien. Je vais bientôt rentrer à Ravensthorpe. Mais si d'ici une semaine, un mois ou un an, je vois un seul bouclier franc... N'aie crainte, diable. Tu n'en verras pas. Nice. Non ! Ne regarde pas, ma reine ! N'aie pas peur, mon époux. Je suis là pour toi. Ah, ça fait de la peine quand même. Les promesses seront tenues. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai le tuer. Je le sais. Bon. Je ne dois pas être vu. Vite, ma capuche. On va mettre quelques points d'aptitude. Non, compétence, je veux dire. Ok. Et là, du coup, c'est quoi la prochaine quête? Ah bah, il faut qu'on retourne voir Toka à Melun. Ouais, j'ai fait une promesse à l'autre, mais j'ai mis le pour et le contre. Au final, c'est mieux que ce soit le fils qui monte sur le trône. Hein. L'autre, je lui fais pas totalement confiance, il est un peu bizarre. C'est notre ennemi de base. Et ça se voit, il aime pas les païens. Donc, alors que le petit pourra apprendre à aimer les païens. À faire sa force. Et je crois en Bernard, plus que lui, là. Sache que Charles ne respectera jamais un accord avec les gens du Nord. Ma parole, en revanche, est digne de confiance. Ah, ta parole ? Tu ne vaux pas mieux qu'un chien blessé qui attend de boulotter nos restes. Quoi ? Comment oses-tu ? Attendez ! Eivor, nous allons enfin pouvoir parler. Qu'en est-il de Richardis ? As-tu vu Charles ? Richardis a survécu à une ordalie par le feu. Les flammes ne l'ont pas touché. Et le roi, as-tu fait ce que j'ai demandé? J'ai affronté Charles, oui. Mais il vit toujours. La peste! Nous avions un accord! Où est ton honneur? Méfie-toi, comte. La situation a changé. Au contraire, elle ne change jamais avec vous autres gens du Nord. Tout n'est que duperie et mensonge. Richardis avait ses propres idées en ce qui concerne l'avenir de la Francie. Elles m'ont paru fondées. Après tout ce que j'ai fait pour la protéger de lui... Elle a su me persuader du bien fondé de ses projets. Elle compte, disons, soumettre le roi. Elle a une vraie emprise sur lui. C'est comme cela que tu comptes assurer la sûreté de ton peuple? Elle préparera le jeune Bernard à régner sur toute la Francie. Ce n'est encore qu'un gamin! Estime-toi heureux, comte Eudes. Charles a disparu. Il ne t'ennuiera plus. Peut-être. Mais je ne resterai pas les bras croisés à regarder ce royaume s'écrouler davantage.
Au moins, nous pouvons boire à la soumission de Charles. Ah, il est fou, lui. C'est ça, le problème. J'ai eu raison de faire ça. Trop bizarre. Bizarre de fou, là. Elle a bu. En route! Nous avons du travail! À ton avis, que va-t-il faire? Eudes va chercher Charles. Ouais, je pense. Et s'il en a l'occasion, il le tuera. Mais la colère d'Eudes peut le mener à sa propre perte. Je vais demander à Pierre de garder l'œil sur lui pendant quelques années. Une sage mesure. Richard X parviendra-t-elle à empêcher Charles de diriger de nouveau la Francie? C'est le pari que j'ai pris, oui. Et la vie de ceux de mon clan en dépend. Elle dépend de bien davantage. Car je suis là, moi. Ouais, c'est vrai. Si Charles réussit à quitter la cage où Richard X l'a placée, je te ferai prévenir. Pour ce qui est de tes relations avec Eudes, songe à lui rendre les terres promises par Charles et Siegfried. Non. Ces terres sont une compensation pour les torts qu'il nous a causés. Eudes a gardé Paris. Cela devra suffire. Tu parles vraiment comme une Jarlskonna. Quant à moi, je dois songer à mon clan. Je m'en suis beaucoup trop éloigné. Avant de partir, prends ceci. Cela appartenait à Sinrich, mon père. Le deuxième meilleur chef et modèle que j'ai connu. Ce fut un honneur pour moi. J'espère diriger aussi bien que toi, Eivor. Et si tu as envie des mille et un fromages de Francie, je serai ravi d'en partager. Adieu, Toka. Et voici la fin de ce DLC, les amis. Je ne pourrais pas vous dire si j'ai préféré le premier ou le deuxième DLC. Pour moi, j'ai aimé les deux. Alors, le seul truc qui m'a un peu déçu pour ce DLC-là, pour le siège de Paris, c'est que par rapport au siège, je m'attendais à beaucoup plus de fights, à beaucoup plus de trucs épiques. Malheureusement, non, c'était ultra court. C'est le seul truc qui m'a un peu déçu, mais sinon, dans l'ensemble, dans la globalité, j'ai bien aimé. Voilà, les gars, tout simplement. Je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau DLC, l'Aube du Ragnarok. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit abonnement pour ne pas louper les prochains épisodes. Je vous dis tchuss.